Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment, des quatre coins du monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un plat de la cuisine haïtienne. Et ce plat, c'est bien le riz collé au pois noir avec du poulet en accompagnement. Vous l'avez peut-être déjà mangé chez un ami haïtien, mais aujourd'hui, vous avez la chance d'apprendre à préparer ce plat vous-même. On commence, mes amis, avec l'étape de la préparation des épices. Les épices qu'on utilise aujourd'hui sont poireaux, ail, persil, piment fort. Et moi, j'ajoute ma petite touche personnelle, deux petites feuilles de laurier que je vais ajouter à l'eau. Le piment, je ne vais pas l'ajouter au mélange que je vais faire parce que ce sera trop piquant. Donc, voici mon mélange. Il y a 5 pieds de poireaux, il y a 3 pieds de poireaux, pardon, 5 dents d'ail et une cuillère à café de persil séché. Donc, vous pouvez faire ça à l'ancienne, dans un bilon, ça va vous donner une sorte de consistance épaisse, une pâte, ou vous pouvez le faire au mixeur. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais mixer. Donc, pour ça, il me faut un petit peu de liquide là-dedans. J'ajoute 250 ml de bouillon de poulet. Et je vais mettre ça dans mon mixeur.
Assaisonner le poulet doit mijoter 20 minutes au feu doux. Ensuite, mettez-le au four pour 25 minutes. Le temps maintenant écoulé, votre plat est servi. Alors, je vous souhaite bon appétit. Et voilà, chers amis, ici s'achève la vidéo. J'attends vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et encore mille merci de m'avoir suivi. Merci.